Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis là pour une petite vidéo hebdomadaire. Ça va être vite fait parce que j'ai pas trop grand-chose à dire. En fait, je devais faire une autre vidéo, mais il y a eu un petit changement dans le planning. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Nous sommes à la phase 2 du chantier. Je suis trop contente, la phase 2, enfin! Pour la phase 2, ça s'est passé très précipitamment, mais réellement. Vendredi matin, j'ai reçu un message de la personne qui doit venir me l'installer, mais elle devait vérifier les travaux qui ont été faits chez moi pour voir réellement comment on l'adapte et tout ça, comment on fait l'installation, qu'est-ce qu'on va mettre exactement. Bonjour madame, je passerai à votre domicile entre 11h et 11h30, si j'étais disponible, bien entendu. Mais en fait, lors du salon d'autonomie, il y a 15 jours, je lui avais dit oui, il n'y avait pas de souci, j'étais disponible. À la base, il devait venir en début de semaine, il est venu en fin de semaine. Mais bon, ça c'est pas très grave. Il a vu les travaux tranquillement. On en a discuté à deux. J'ai vu des petites modifications, des petits changements. J'ai pas encore pu parler d'un truc en plus. Enfin voilà. Mais je le ferai tranquillement quand je le reverrai. Et tout ça, je le reverrai quand? Demain. Voilà. Je l'ai vu vendredi. Il m'a dit soit cet après-midi je vous rends contact, soit demain pour vous dire si on peut faire l'installation lundi. Est-ce que vous êtes dispo, tout ça? Je fais ouais, moi il n'y a pas de problème, je suis dispo. D'ailleurs, ça m'a arrangé parce que j'étais dispo ou partiellement dispo, mais après j'ai rajouté un petit rendez-vous entre deux, mais c'est pas très grave. Je vous envoie un texto comme d'hab et je vous dis ça. Je fais, il n'y a pas de souci et tout. J'attends le texto dans toute la journée, je l'attends. Quand j'ai vu 17h, je me suis dit, il m'écrira demain. C'est pas grave. Moi, entre deux, j'avais pris un autre rendez-vous pour un peu anticiper. Parce que s'il ne pouvait pas, s'il n'avait pas eu la livraison, il ne pouvait pas faire l'installation lundi, tout simplement. J'ai pris mon rendez-vous très tôt le matin, comme ça me permettait d'être dispo pour l'installation, c'était parfait. Résultat, samedi, j'attends toujours le SMS. J'ai eu le fameux SMS que j'attendais pour voir si c'était toujours OK ou pas, puisque c'était quand même à confirmer malgré tout, même si c'était pas OK, il devait m'envoyer un SMS. J'ai reçu vers 19h30, 20h moins le quart. Et là, j'ai fait, bon, mais OK, il n'y a pas de souci. Du coup, je lui envoie un message, je lui dis, il n'y a pas de souci. Moi, je ne serai peut-être pas là exactement à l'heure qui seront là, mais en tout cas, les portes seront ouvertes, il y aura du monde chez moi, enfin voilà, j'ai délégué pour qu'on puisse faire l'ouverture et tout ça, le temps que moi, j'arrive. Et du coup, lui, de son côté, c'était OK, tout simplement. Alors, du coup, demain, on me fait l'installation du rail. Olé! Voilà. Le rail, c'est... Au lieu que ça soit droit, grosso modo, il va avoir des petites courbes et tout. Ça va être un petit labyrinthe chez moi, c'est rigolo. Bon, entre deux pièces, hein, heureusement. Mais je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses courbées. Enfin, vraiment, c'est top. J'attends de voir, hein, j'attends de voir le résultat parce que je suis assez étonnée de ce qu'on peut faire. Faut qu'on réfléchisse où je mets le point de charge. Voilà, il y a des petits trucs que je dois poser la question. Voilà. Il m'a dit qu'il fallait prévoir une journée. Là, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, une journée, ça veut dire 3 jours de ménage comme la dernière fois. Ça veut dire
15 à 20 fois la serpillière en 3 jours. Voilà, ça va être le chantier. C'est ça. Et je crains le pire pour une maniaque que je suis. Je crains le pire pour une maniaque que nous sommes dans la famille, en fait. On est tous maniaques. Tous, on est trois grosses maniaques. Ouais, sur quelques-unes, on est trois grosses maniaques. Et du coup, je me dis, mon Dieu, le ménage, mon Dieu, oh putain. Bon, enfin bref, avec les oxy, je me dis, on va en péter grave. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, l'installation se fait demain. L'installation se fait demain. Je kiffe. Du coup, comme j'ai su avant son SMS qu'il était censé passer lundi, voire un autre jour dans la semaine, j'ai anticipé un appel téléphonique concernant le matériel qu'on doit me livrer à la suite de ces travaux-là. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse à mon appel, à mon message, à mes SMS du livreur qui doit me faire toute l'installation, enfin la fin de l'installation des autres matériels. C'est-à-dire chaise de douche, lunettes japonaises, barre de lit, enfin voilà. Et je vais l'appeler demain à 9h, juste avant mon premier rendez-vous qui enchaînera le troisième rendez-vous. Enfin voilà quoi. Pas mal de petites choses à faire demain matin en l'espace de 2 heures. En l'espace de 2 heures, il faut que je cours à un rendez-vous pour revenir à mon domicile et en même temps appeler avant que j'arrive à mon domicile et éventuellement avant que j'arrive au premier rendez-vous. Je suis présidente Mandouce présidente. Bon, enfin bref, voilà quoi. Du coup, je suis super contente. Phase 2 des travaux. Là, c'est normalement, si je réfléchis bien, on n'est plus censé faire de trous à partir de demain. On fait juste une coupure et il y a encore un truc à couper. C'est pour ça que je crains la poussière. Mais après, c'est que des trous. Bzz, voilà. Donc, il y aura tous les 10 cm ou 20 cm des trous. Voilà, pour fixer le rail. Bien entendu, vous ne verrez pas comment est la pièce actuelle. Vous ne verrez pas encore la vidéo, vous n'aurez pas de vidéo pour demain. J'espère que cette semaine, on aura le temps de faire toute l'installation. Comme ça, la semaine prochaine, vous aurez la vidéo enfin définitive, le troisième tome, quoi. Donc là, par contre, faut pas trop rêver, mais bon, on fera au mieux. En tout cas, de mon côté, je ferai au mieux. Je crois que je vous ai tout dit sur cette petite vidéo. Du coup, j'ai vraiment pas mal de petites vidéos en retard parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et tout. On fera au mieux. En tout cas, je dis que tu peux t'abonner par là, comme d'hab, la vidéo précédente qui sera là. En tout cas, moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon fin de dimanche, mais à mon avis, vu l'heure où la vidéo sera en ligne, je vous souhaite une bonne nuit du coup. Il fait juste super jour, le soleil tape grave, mais je vous dis bonne nuit parce que vous allez recevoir la vidéo ce soir. Bon, moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut, salut!